Bonjour tout le monde, c'est moi Gamer du Dimanche pour une nouvelle vidéo tutoriel consacrée une fois de plus à la GameCube. Et ici, on va se pencher sur un sujet qui concerne le lancement de fichiers .doll sur une console non pucée. Alors vous allez me dire comment c'est possible de pouvoir lancer un fichier .doll sur une console non pucée sans avoir un système qui permet de lancer un code non signé par la marque de Nintendo. Oui, effectivement, c'est impossible, à moins donc d'avoir un CD officiel d'Action Replay ou une console qui soit pucée. Donc là, c'est le cas. Donc on va avoir forcément besoin d'une console qui soit déjà hackée par un système. Donc que ce soit un système de puce, que ce soit un système d'exploit GCI, pourquoi pas. Donc voilà, donc on a besoin d'une console qui soit déjà piratée. Donc voilà, donc je vais vous expliquer pas à pas les étapes à respecter donc pour pouvoir donc lancer ici dans ce tutoriel. Donc on va lancer Swiss, qui est donc le principal loader efficace pour pouvoir donc lancer nos jeux depuis soit un support DVD via des jeux gravés, soit via un SD Gecko que vous pourrez fabriquer via donc mon ancienne vidéo que j'ai fait il y a de ça quelques mois ou quelques années. Donc voilà. Alors le matériel requis, donc forcément, donc vous aurez besoin bien sûr d'un ordinateur avec un lecteur SD. Ça, je ne vous le cache pas, c'est obligatoire. Vous aurez besoin donc de télécharger ensuite le pack Exploit GCI MGDD, donc c'est mon pack. Vous aurez besoin donc du GameCube hacké, donc comme je le disais précédemment, c'est obligatoire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand je le répète encore une fois, quand je parle de GameCube hacké, c'est une GameCube qui contient soit une puce, qui possède déjà l'exploit GCI sur sa carte mémoire, ou un Action Replay. Donc voilà. Ou alors aussi, si vous le désirez, vous pouvez aussi le faire via une Wii hackée. Donc là, je n'évoquerai pas ce sujet dans cette vidéo, mais si vous avez une Wii hackée, vous pouvez faire exactement la même chose avec les différents programmes que je vous proposerai dans la vidéo. Donc à savoir donc, le programme qui s'appellera GCMM, qui permet donc d'injecter donc des sauvegardes modifiées dans les cartes mémoire de la console. Vous aurez besoin d'une memory card 16 mégas. À savoir qu'une 4 mégas suffit pour injecter des programmes comme SDLoad, par exemple. Moi j'utilise ici une carte mémoire donc de 16 MB pour pouvoir injecter le programme Swiss parce qu'il est quand même assez gros. On aura besoin d'un SD Gecko. On aura besoin également d'une carte SD. Forcément, si vous avez un SD Gecko, il faut la carte SD. Une GameCube d'origine. Donc ça c'est mieux si vous voulez donc lancer un jeu sur une GameCube d'origine. Et vous aurez besoin d'un jeu original. Donc à savoir qu'ici donc dans ce tutoriel nous utiliserons donc le jeu Super Smash Bros. Melee. Et vous pourrez également utiliser d'autres jeux qui sont compatibles avec cet exploit. Alors je cite donc le jeu 007 Agent Under Fire, le jeu BMX XXX, le jeu Pokémon Colosseum, Splinter Cell, Super Smash Bros. Melee, bon, je viens de le dire, Zelda Twilight Princess, Zelda The Wind Waker, avec mon superbe accent anglais. Voilà donc pour la liste des jeux compatibles avec cet exploit. À savoir que il y aura des sauvegardes modifiées donc à installer, que ces sauvegardes modifiées de chaque jeu sont dans le pack Exploit GCI MGDD. Voilà. Donc, on va bientôt pouvoir commencer notre tutoriel. J'espère que jusqu'ici vous avez tout compris et que vous avez réuni votre matériel. À tout de suite. Alors, pour commencer donc ce tutoriel, en premier lieu, donc il vous faudra télécharger donc le fichier Exploit GCI MGDD. Donc, vous avez votre fichier compressé, donc vous le décompressez. Ça vous donne donc un dossier avec quatre dossiers, un fichier à lire et un fichier doll.
Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à cliquer sur le fichier texte ici à lire qui expliquera exactement la même chose qu'en fait dans cette vidéo. Alors pour commencer, vous aurez besoin donc de votre fichier DOL. Alors je vous en ai mis deux, j'ai mis SDLoad et Swiss. Vous pouvez prendre n'importe quel fichier DOL que vous désirez booter sur votre console. Alors, à savoir que quand même le plus intéressant de tous, c'est quand même Swiss. C'est quand même le but suprême, c'est de quand même de lancer donc des jeux. Alors, ce que vous faites, donc c'est que bah, vous sélectionnez votre fichier Swiss. Donc la version Swiss avec la révision 382 à ce jour, c'est la dernière révision qu'il existe. Nous sommes donc le 22 avril 2017. Vérifier de temps en temps qu'il n'y ait pas de nouvelle révision de ce fichier via le site officiel. Donc, vous sélectionnez ce fichier, vous le copiez, ensuite vous allez dans le dossier numéro 2, vous le collez, voilà, donc vous le collez ici. Une fois que vous l'avez collé, vous le renommez. Vous allez le renommer en boot.dol. Jusque-là, rien de bien compliqué. Arrivé à cette étape, vous ouvrez l'invite de commande. Alors, vous pouvez cliquer sur cette icône-là. Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à l'ouvrir via le menu démarrer. Vous le trouverez donc dans tous les programmes accessoires. Et il est là. Voilà. Donc vous ouvrez l'invite de commande. Là, en ouvrant l'invite de commande, normalement, vous arriverez directement dans le dossier concerné. Une fois que vous êtes ici, donc à l'invite de commande, vous tapez DOL GCI.exe. C'est exactement le même nom que ceci. Espace. Vous mettez boot.dol. C'est ce qui correspond donc à notre fichier DOL actuel. Et ensuite, vous mettez donc le nom du fichier DOL Swiss. Voilà, j'écris mal. Voilà, Swiss. Donc ça, c'est le programme boot.dol. Donc on a modifié en boot.dol, c'est swiss.gci. GCI, ça correspond à l'extension des fichiers de sauvegarde des jeux de la console. Une fois que vous avez tapé ça, vous tapez entrée. Alors là, on a mis swiss.gci. Si c'est SDLoad que vous avez choisi, vous mettez SDLoad. Hein, c'est, voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous tapez entrée. Et là, on a notre fichier swiss.gci qui est ici. Donc, on peut fermer l'invite de commande. Notre swiss.gci a été généré. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on fait copier. On va dans notre carte SD, on crée un dossier MC Backup, donc MCBACKUP. Et on va coller ici notre fichier GCI fraîchement généré. Ensuite, on revient dans notre dossier que l'on a téléchargé. On va dans le dossier numéro 4, sauvegarde modifiée. Vous choisirez l'exploit qui correspondra à votre jeu. Donc, à savoir que mon jeu, c'est donc Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. Melee. Ici, très important, vous vérifierez l'identification de votre disque qui se situe donc au centre du disque. Et normalement, vous devriez donc avoir l'identification du disque qui s'affiche juste là. Donc ici, moi, c'est DOL GALP 000. Donc, une fois que vous avez identifié votre disque, vous choisissez
le fichier qui correspond. Donc moi c'est dol.galp00, donc je fais un copier. Je vais dans ma carte SD, dans le dossier MC Backup, et je colle mon fichier ici. Donc j'ai bien mon fichier swiss.gci, j'ai bien mon dol.galp00.gci. Vous devrez également copier le fichier gcmm14e.dol sur votre carte SD. Vous le posez où vous voulez, moi je l'ai mis dans le dossier apps, ici. Ce fichier gcmm donc, est un explorateur de cartes mémoire GameCube. Et il permet donc de faire des backups de vos cartes mémoire, de le restaurer vos sauvegardes, et également donc de les effacer et de formater vos memory cards. À ce stade, on est bon donc pour mettre notre carte SD dans notre SD Gecko. De là donc, nous avons inséré notre SD Gecko avec notre carte SD qui contient nos sauvegardes modifiées. Nous avons notre carte mémoire où donc on va installer ces fameuses sauvegardes modifiées. Et on a donc ici une console pucée, donc qui sera donc la console qui nous servira à faire ce transfert. On ne peut pas le faire depuis une carte non pucée, malheureusement, on est obligé de le faire depuis une console déjà hackée. C'était un peu la même chose à l'époque de la PlayStation 2, on était obligé d'avoir une carte mémoire qui possédait déjà le hack FreeMC Boot pour pouvoir hacker une deuxième FreeMC Boot. C'était un petit peu le même principe, grosso modo. Hein, c'est voilà. Donc, une fois qu'on en arrive là, on allume notre console. Voilà, donc moi, ma console contient une puce Viper GC Extreme qui me permet donc de booter sur un plugin. Et moi, j'ai installé SDLoad par défaut dans le dossier Apps. Et on va lancer gcmm14e.dol. On sélectionne le slot qui contient donc le SD Gecko. Donc moi je suis en slot B. Alors pour être sûr que la carte mémoire possède assez de place, je vous conseille avant tout donc de faire un backup. Donc vous appuyez sur L et Y pour créer le backup. Ça va vous faire un backup et le copier sur la carte SD. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez donc formater votre memory card en appuyant sur L et Z. Vous appuyez sur B pour formater. Et pour confirmer, vous appuyez sur Z. Donc là, ça formate. Vous appuyez sur A pour continuer une fois le formatage terminé. Ensuite, on va donc restaurer nos sauvegardes. Donc on va sélectionner notre fichier swiss.gci. Donc là c'est en train de le copier. Alors c'est assez long, le fichier Swiss fait quand même, je crois, 600 ou 800 kilooctets. Donc forcément, c'est un petit peu long. Voilà, la restauration de la sauvegarde a été faite. On appuie sur A pour continuer. On rappuie sur le bouton X pour restaurer cette fois-ci la sauvegarde modifiée, donc le DOL, et on appuie sur A. Voilà, donc là c'est bon, on appuie sur le bouton A et là on est OK. Donc là à cette étape, donc on peut éteindre notre console hackée. Les copies des fichiers donc, ont été faites sur notre memory card. Donc les copies ont été faites, les copies de nos fichiers de la carte SD ont été faites sur la memory card. Donc là on peut éteindre la console, retirer la memory card que l'on vient de hacker. Et on va pouvoir l'insérer dans une console non pucée.
Alors nous voici donc avec notre GameCube original. Donc comme vous le voyez, donc c'est une GameCube d'origine, hein. Il n'y a rien de tout de modifié dessus. Alors forcément, je ne vais pas pouvoir vous prouver qu'il n'y a pas de puce dedans, mais ce serait complètement con de vous proposer un tutoriel avec de la triche. Donc non, donc ici on a bien une console d'origine non pucée. On a installé donc notre GameCube. Notre memory card donc que l'on vient de entre guillemets hacker et notre SD Gecko que nous avons donc inséré dans le slot B. Donc ici donc on utilisera l'exploit Super Smash Bros Melee. Donc on a besoin donc de ce jeu original et donc c'est parti. Donc on va insérer le disque dans la console et on va allumer. Oula, la console. Tac. Alors, donc là, on choisit oui. C'est mieux de l'avoir en 60 Hz. Donc là, on tombe sur la petite vidéo d'intro du jeu. On appuie sur Start. On va descendre sur Versus Mode. Hop. On sélectionne ensuite Name Entrée. Et là, vous allez voir comme par magie. Tac. On tombe sur le Swiss version 04 en révision 382. C'est magique. Et donc à ce stade, vous voyez, donc là je tombe directement donc, sur la SD Gecko. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est vachement sympa pour donc hacker donc les GameCube de vos potes. Ça évite donc de se faire chier à souder une puce sur une GameCube que vous ne voulez donc pas modifier. En revanche, si vous voulez lancer des DVD gravés 12 cm, vous serez obligé donc de changer la coque parce que ça ne passe pas forcément. Cette console était prévue donc pour des CD de 8 cm. Donc après libre à vous donc de trouver des CD verbatim 8 cm pour graver vos jeux dessus. Donc sachez que donc c'est possible de lancer vos jeux via Swiss. Donc il suffit d'aller dans le menu DVD de Swiss et vous sélectionnez. Donc là forcément ça va me sélectionner le jeu Super Smash Bros parce qu'il est donc je l'ai laissé dedans. Mais sachez donc qu'il est possible de pouvoir lancer vos jeux depuis une carte SD. Preuve à l'appui, donc cette carte SD n'est pas très grosse, donc j'en ai une deuxième. J'en ai une de 8 Go et en plus celle-là elle est en FAT 32. Donc les jeux seront plus compatibles et plus rapides. Donc on va lancer cette SD Gecko là. On va choisir jeu. Tac. Donc, ça charge. Et on va se mettre un petit Mario Kart. Tiens, voilà. Le classique. Donc là, on est toujours sur une console non pucée, je précise, c'est uniquement grâce au jeu et à cette memory card modifiée. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, on lance notre jeu. Tranquille. Tac, on va passer la vidéo. Appuyez sur Start. Voulez-vous créer? Non, je ne veux pas créer. Oui. Hop, un joueur, Grand Prix, 50 chevaux, Mario, Luigi. Hop, c'est parti. Mon kiki. Alors, forcément, je joue qu'à une main, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de vidéo exceptionnelle. Je joue avec mon Rikiki et mon Adex et je me débrouille plutôt pas mal. Et
Voilà, donc c'est plutôt bien, donc voilà. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouais, donc c'est foutu. Voilà. Donc c'était donc une vidéo donc pour vous prouver que l'on pouvait donc lancer. Bon, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est un tutoriel, des tutoriels qu'on pouvait trouver sur YouTube en anglais, etc. Donc il n'y a rien d'innovant là-dedans. C'était juste donc pour pouvoir faire une petite vidéo en français et vous faire donc une démonstration comme quoi donc c'était quand même assez facile de le faire. Si bon, si on a le jeu et la console à quai qui va bien. Donc si vous avez des potes qui ont une GameCube, des copines hein, bien sûr, qui ont une GameCube d'origine, qui n'osent pas franchir le pas de la puce, bah, pensez donc à ce fameux mode de hack de la memory card, de la sauvegarde plutôt, donc pour pouvoir lancer donc le fichier Swiss ou bien d'autres fichiers DOL comme vous en avez envie. Voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou mettre des petits pouces bleus également. Je vous souhaite à tous très bon jeu et un très bon week-end. Allez, salut, bye bye, bonne soirée.